Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau tracteur d'exploitation. Donc le nouveau tracteur d'exploitation c'est celui-là. Donc c'est un 1455 XL de 1985. Voilà. Tracteur acheté d'occasion donc il y a 2 mois. Donc je vais vous le présenter, de toute façon on va le mettre en route. Et je vais vous montrer, il y a quelques travaux à refaire dessus. Donc autrement bon, il est simple carrosserie, il est très propre, hein, très bien conservé. Tracteur qui a 12 000 heures, qui est complet, j'ai toutes les masses, tout l'attelage. Et la cabine, avec le ciel encore d'origine d'ailleurs, qui est très propre. Alors, faut pas regarder là, il y a le tapis de sol d'origine qui est en dessous, qui est propre, ça c'est pour protéger le tapis de sol. Donc là bon, faudra que je le nettoie un peu parce que j'ai bricolé dedans et puis bon, on n'a pas tout en béton non plus, alors du coup il y a un peu de terre avec. Donc il dispose de la clim d'origine, il faut que je remette en état, chauffage, ventilation, aussi à remettre en état. Et puis autrement, bah voilà. Donc, sur le compteur, donc il a 12102 heures. Bon, le compteur a arrêté depuis un an, mais l'ancien tracteur qui a une boîte 6 vitesses ZF avec un levier d'inverseur. 3 double effets, le relevage, le contrôle d'effort et la petite vitesse. Et de ce côté-là, donc la prise de force, 1540 tours, le frein à main qui lui est à refaire et le pont en rond. L'embrayage de prise de force. Ce qu'il y a à refaire en fait sur ce tracteur là, c'est les joints du coupleur parce qu'il fuit un peu, donc du coup on va refaire ça. Il y avait l'alternateur à changer, je l'ai changé par un que j'avais chez moi, le frein à main à refaire du coup comme j'ai dit, donc on va refaire le frein à main. J'avais du jeu dans le relevage arrière, donc du coup on a refait ça, enfin, j'ai refait ça du coup. Il y avait du jeu ici, à cet endroit là et à cet endroit là. Il manquait une cale du côté là. Donc du côté là il manquait la cale là derrière et le circlip s'était cassé, donc parce que le bras a été usé. Et comme on peut le voir, le bras noir ne bouge plus. Donc ce qu'on va faire, bah, je vais le mettre en route. Ah oui, en parlant de mettre en route, donc du coup en fait j'ai certainement une prise d'air au gasoil due au flexible d'origine. Donc c'est des conduites en genre de maille comme ça, mais qui sont certainement plus de 100% étanches. Donc du coup il y a une prise d'air. Alors bon, il se désamorce à partir d'un moment je pense. Mais après je vous le montrerai quand il la retourne une fois, il démarre au quart de tour avec le moteur d'origine. Donc avant de le démarrer, ce qu'on va faire, on va faire le niveau. Donc le niveau est là. On va glisser. On essuie. Le chiffon. On essuie. On met dedans. Donc désolé si c'est un peu sombre dans le bâtiment. J'ai pas d'éclairage dans celui-là en plus. Donc on est juste en dessous du maximum, donc au niveau du lait. Je vais laisser tourner comme ça un petit temps, parce qu'il y a un turbo. Il faut bien laisser lubrifier le turbo, pas mettre non plus trop en régime. Et juste après, je vais le sortir et je vais le monter en haut au bâtiment, histoire de faire le tour au jour et pouvoir enlever les capots, etc. Voilà, il a tourné un peu. Troisième grande, pas de même façon. Donc comme je vous disais, donc le moteur est en route, mais le contour ne fonctionne pas. Donc je le renvoie dans, chez la pièce. Et vu qu'on va changer aussi en même temps la pompe à eau, il y a un peu de jeu dans le roulement. Du coup on changera le renvoi d'angle parce que sinon c'est une misère à faire. Je crois même pas que c'est possible vu qu'il a la poulie la climatisation. Donc le câble est bon et le renvoi d'angle est foutu, donc on va changer ça aussi. Comme ça fonctionnera et que je puisse suivre l'évolution des heures du tracteur.
Donc j'ai refait aussi les joints des vitres, les petites vitres, des deux côtés, qui étaient foutues. Là je le laisse tourner un peu, je vais pas l'arrêter tout de suite, même si je vais pas rouler vite avec le turbo, que ça se lubrifie quand même, on va éviter de foutre un turbo en l'air. Mais voilà le tracteur. Donc là vous pouvez le voir de plus près, enfin de plus près, au jour quoi. Donc comme je vous disais, il y a le frottin qui est en vrai, là il est cassé. Et les pneus avant, bah, sont un peu usés quoi. Voilà le tracteur. Alors j'enlève les capots et je vous montre la suite. Les niveaux d'huile de frein, lave-glace, niveau d'huile et huile de direction, le petit turbo. Donc ça c'est le compresseur de clim, l'alternateur qu'on a changé, qui est juste là, l'alternateur qu'on a changé. Donc la pompe à eau qui a déjà été changée, mais quand on bouge on sent qu'il y a un jeu dans le roulement devant, bon elle est encore étanche. La pompe à injection qui est là, le démarreur. Donc ça c'est pas, on voit bien que le moteur est pas gras ou quoi que ce soit. Bon il a déjà tourné un peu quand même, on aurait déjà pu voir d'autres fuites en plus qui ne sont pas présentes. Donc l'arbre de transmission des quatre motrices, une partie du réservoir, de l'autre côté il y a l'autre réservoir, les filtres à gasoil, la batterie est là. Le boîtier pour le 4 roues motrices. Puis voilà pour le côté là. Ah oui, il y a encore le filtre à air aussi. Il est présent ici. Avec un pré-filtre là. Donc il y a les radiateurs de clim et d'huile là devant. Le fournisseur. J'allais dire le niveau liquide de refroidissement se fait dans le radiateur donc qui est là. De ce côté-ci, on a la pompe hydraulique, le filtre à huile, le filtre à eau qui est là, la petite pompe d'amorçage de gasoil qui est présente ici, donc bon à l'arrière hein, comme tout tracteur normal, les distributeurs donc, qui sont là, trois double effets, le frein de remorque qui est là, la prise remorque présente ici, notre relevage avec notre trois points, nos bras de relevage, nos stabilisateurs, le vérin en plus, on va essayer d'en rajouter un deuxième pour éviter d'avoir des jeux dans les canelures là au-dessus, notre prise de force, notre attelage. Il reste encore la barre oscillante qui elle est déjà démontée, puis l'attelage réglable qui est aussi démonté, mis à l'abri. Commande de relevage extérieur. Et donc on en revient toujours au même du côté là, donc du coup comme ça on voit un peu mieux hein. Donc la pompe à gasoil, c'est la nouvelle qui va être là. On voit qu'elle est un peu grasse. On va changer aussi les conduites là. Comme je disais avec les prises d'air, les petites conduites là, on va les changer, on va mettre du flexible. Comme ça on sera un peu plus tranquille. Donc le réservoir qui est présent ici. Voilà. Donc voilà pour l'extérieur du tracteur. Donc c'est un tracteur assez simple. On va faire un petit démarrage à chaud, comme ça vous pouvez voir comment ça démarre. Comme je vous l'expliquais avant, je laisse toujours tourner un peu au ralenti pour que l'huile, le bas moteur, monte, vérifier le turbo qui est là,
Là-dedans, il y a une turbine qui tourne à une grande vitesse par rapport au moteur, beaucoup plus grande, et qui a besoin d'être lubrifiée. Et donc, du coup, on va éviter de démarrer le tracteur et de partir tout de suite. Déjà, c'est pas bon. Mais en plus, pour le turbo, c'est encore moins bon. Donc, on va faire comme ça, on va le laisser tourner un peu, 15-20 secondes, et après, on va pouvoir commencer à travailler avec. Mais sans non plus trop tirer dedans, attendre qu'il ait nouveau une température moteur correcte. À partir de ce moment-là, là, on va pouvoir se servir pleinement. Donc c'est comme je disais, c'est le turbo. Le turbo, quand on accélère, bah, il prend de la vitesse, mais quand on décélère, lui ralentit un peu moins vite que le moteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez fait à peu près le tour du tracteur, un peu montrant en détail un peu plus la mécanique. Ce qu'il y a à faire dessus, donc comme j'ai dit, la pompe à eau, la pompe à gasoil, le frein à main, les joints de coupleur, ça c'est le principal. Après en carrosserie, donc il y a un phare à l'arrière, et les rétros, on va les changer, on va mettre des rétros un peu plus grands, mais ça c'est à venir plus tard. C'est pas l'importance tout de suite quoi. Alors d'abord, privilégier la mécanique, donc pour faire la mécanique, ce qu'il y a à faire, puis après l'esthétique. Sachant que le tracteur est déjà de base très propre. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Et puis à la prochaine. Salut !